Certaines carrières sont du genre linéaire, tracées par des partenariats durables et rythmées par les grands événements. D'autres s'écrivent au long voyage, passent d'une série à l'autre et n'en sont pas moins riches. Les marins y sont tour à tour skipper, équipier, performeur, cumulant les milles et les rencontres entre ombre et lumière. Anthony Marchand n'a pas de grande victoire à vous vendre, mais une passion tenace et une compétence tous azimuts. À bord d'Actual Ultime 3, il a trouvé sa place et continue d'écrire la belle histoire d'un trimaran qu'il n'a cessé de faire progresser pour se présenter au départ de l'Arkea Ultime Challenge, Brest, comme un outsider crédible. L'histoire d'Anto, son incontournable diminutif sur les pontons, débute au centre nautique de Plérin, dans les Côtes d'Armor, où il est toujours licencié. Le garçon se montre talentueux dès l'optimiste, performe en laser radial et atterrit en 470 au pôle France de Brest. De ses années de voile légère, il conserve une sensibilité de barre unanimement reconnue et cette capacité de s'adapter à beaucoup de supports. C'est quelqu'un de doué, tu le mets sur un skate, sur un kite ou des skis, il y arrive en 30 minutes, dit de lui Paul Meillat, un de ses très proches qui se félicite d'ailleurs de l'avoir embarqué à ses côtés sur The Ocean Race l'année dernière. Attiré très jeune par le large, Anthony lâche le haut niveau et les promesses de voile olympique pour embarquer sur les trimarans. Préparateur puis équipier d'Yvan Bourgnon sur Brossard, d'Antoine Coq sur Sopra ou de Thomas Coville sur Sodebo, il goûte à l'ivresse de la vitesse sur les trimarans Orma à 20 ans, le genre d'aventure initiatique qui reste gravé à jamais dans un coin de la tête. Après un détour par le Mini, Anthony candidate et devient skipper espoir Bretagne Crédit Mutuel de Bretagne, en prenant la suite d'un certain François Gabart. Le Figaro l'occupera 10 ans de sa vie, un apprentissage de la rigueur, de l'exigence et en même temps qu'une longue quête de laurier. Par 3 fois, il montera sur le podium, gagnera des étapes mais ne décrochera pas la timbale. Comme pour d'autres jeunes formés à la grande et rude école, les occasions d'aller naviguer sur de très grosses unités se présentent alors. En 2015, il fait une pause en Figaro et devient barreur sur Mapfre, au sein d'un équipage très international sur la Volvo Ocean Race, terminé à la 4e place. Un détour par l'Imoca pour la Route du Café 2017 aux côtés de Giancarlo Pedotti, puis vient la rencontre avec Yves Leblevec en 2021, dont le fidèle partenaire actuel vient de racheter l'ancien trimaran Massif. On se croisait avant sur les pontons, mais c'est à l'occasion d'un trophée mer et montagne que j'ai vraiment connu Anto. En discutant, j'ai trouvé que son analyse de notre métier était intéressante. Il a une forme d'humilité qui m'a plu. Sur son nouvel actuel Ultime 3, Anthony Marchand apporte sa sensibilité. Son analyse de la performance propose plus qu'il n'impose et fait rapidement son trou. Après la Route du Rhum destination Guadeloupe, lorsque Yves Lebevec annonce à son sponsor qu'il veut transmettre la barre, son nom s'impose naturellement. Il cochait toutes les cases, il est hyper investi sur tous les aspects techniques du projet et de vie de l'équipe, il n'y a aucune activité qu'il considère ne pas être pour lui. Anto n'a pas le côté professional sailor en short et lunettes noires à qui on prépare le bateau et qui prend les clés, dit le Trinidin. Bosseur mais affable, Anthony Marchand dégage une forme de décontraction très loin de l'image de machine de certaines personnes. C'est quelqu'un d'attentionné et il a de l'humour. On ne peut que bien s'entendre avec Anto. Les gens lui parlent facilement et il est au courant de tout, dit lui Alex Loison, aux côtés duquel il a cheminé des années durant sur le circuit Figaro. Mais à 38 ans, le sympathique Anto a-t-il le cuir assez épais pour mener 40 ou 50 jours une machine à 25 nœuds de moyenne en solitaire sur les trois caps? À terre, il se plaint tout le temps et a peur des araignées, mais dans le Grand Sud, il peut aller réparer un truc par 5 degrés à califourchon sur le bout dehors, la tête à l'envers, dit Paul Meillat qui ajoute n'avoir jamais vu un soupçon d'angoisse dans son œil. Ce que confirme Thierry Chabani, son co-skipper sur la Route du Café. Anto est sensible et attachant, mais il est surtout câblé différemment. Il fait partie de ceux qui peuvent encaisser le stress de la haute vitesse dans la durée et ils ne sont pas très nombreux. Est-ce que toi tu es prêt à suivre cette nouvelle prochaine course folle de bateaux prodigieux autour du monde? Abonne-toi à Radio Océan pour rester informé de son actualité, de celle de la mer et de tous les bateaux. Si t'es sur l'eau, je te souhaite du beau temps et bon vent! Salut à toutes et à tous, on est bienvenus au mois de décembre. Je vous souhaite à tous de passer de bonnes fêtes de fin d'année. Profitez-en bien, faites-vous plaisir et puis n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. C'est toujours un cadeau de Noël gratuit et c'est le temps d'économiser. Merci beaucoup, bonne mer! Tu connais Anthony Marchand?